I love being a woman. Woman est le nouveau film de la journaliste Anastasia Mikova et du photographe Yann Arthus Bertrand. Un projet colossal dont le but est de recueillir la parole des femmes à travers la planète avec des témoignages intimes mais qui touchent à l'universel. Toutes les interviews ont été réalisées par des femmes. Il n'était pas question que ça soit fait par des hommes. Les questions sont assez intimes et donc c'était vraiment des femmes qui parlaient aux femmes. Et pour moi, c'était important. Mais on avait fait un espèce de cahier des charges avec Anastasia, avec des questions à poser, avec des fixeurs qui préparaient à l'avance. Donc c'est pas très facile de parler devant une caméra et de savoir ce que vous allez dire sur votre vie intime. Ça va être vu par des millions de personnes. Donc il faut que les gens soient préparés et acceptent de le faire. C'est un travail de fixeur, un travail de préparation. Il y a eu des mois de préparation avant le tournage. En fin de compte, on a tourné 2 ans, mais il y a eu pratiquement 1 an de préparation avant. I'm telling you, I'm going to work. 2000 femmes ont été interviewées dans 50 pays différents, une somme considérable de réflexion générale sur l'éducation, le monde du travail, mais aussi l'indépendance financière, la sexualité ou les menstruations. C'est des interviews, on pourrait se dire, on en a mis 2 minutes dans le film ou une minute, mais c'est des interviews qui durent 2 à 3 heures. C'est un peu comme aller chez un psy, vous voyez, les gens. Et à un moment, les femmes ne parlent plus pour la caméra, elles parlent pour elles. Simplement, ça les libère de quelque chose, elles sont dans le noir, elles ont une lumière devant elles, elles voient à peine le journaliste, elles voient que la caméra, elles regardent fixement la caméra, et ça devient de discussions très personnelles. Ce documentaire est l'occasion d'entendre des paroles inédites et de voir aussi bien les injustices subies que la force de résistance qui anime les femmes à travers le monde. En plus d'être visible au cinéma, le film est gratuitement à disposition des organisations et associations qui désirent le diffuser.